Hey hey hey, salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'un nouveau jeu sur la chaîne. Le jeu s'appelle From Dust, c'est écrit au-dessus, et c'est un petit jeu que j'ai un peu découvert sur les plateformes de téléchargement différentes. Cette fois-ci c'est Uplay, que je ne connais pas, donc j'intègre, j'apprends à connaître, mais bon c'est un peu comme Steam je pense, c'est un peu la même chose. Alors From Dust, c'est un jeu qui est sorti il y a quand même plusieurs années. Mais comme vous pouvez le voir, moi je trouve que le background là, il est vachement sympa et très joli. Et c'est l'histoire que nous allons devoir gérer une petite communauté, un petit village un peu primitif sur leur terre et leur faire aller d'un endroit à un autre en modelant nous-mêmes le paysage qui les entoure en fonction des éléments. J'ai regardé un peu un petit bout de vidéo sur YouTube que ça existait déjà. Et je me suis dit, ouais, j'accroche. Et du coup, j'ai acheté le jeu qui est très peu cher. Si vous voulez, je vous mettrai le lien, du coup, dans les descriptions. Donc, on est parti. Mon nom de profil, Shirley. Ah bon, ça vous étonne? Moi, pas. Peut-être option pour le... Non. Paramètres d'affichage, paramètres de commande, options communes, comme le son par exemple, voilà. Sensibilité de la souris, encore ça va. Éteindre la musique, non. Je voulais surtout peut-être pour comment jouer. Non mais ça, on va le voir. Paramètres des commandes peut-être. Ouh là là, d'accord. Bon, et eh ben j'espère qu'au niveau du son, il n'y aura pas de soucis, parce que... voilà. Je sais pas comment gérer le son. Allez, c'est parti! On va jouer une nouvelle histoire. Ouh! C'est un peu comme la bouche de l'enfer, hein. C'est... Alors oui, c'est assez primitif du coup comme histoire. Et effectivement, il y a une histoire de portail et compagnie. Donc là, la musique pour moi, elle va fort. Alors j'espère que vous allez quand même m'entendre parce que c'est très fort. From Dust. Voilà. C'est-à-dire qui provient de la poussière, hein, parce que nous sommes poussière et nous retournerons la poussière, n'est-ce pas? C'est très joli, ça fait vraiment très aztèque, très primitif. J'aime beaucoup, vraiment, c'est très sympa. Ça fait un peu peur aussi, ça fait une grosse bouche à laquelle on est aspiré, donc c'est... Ah! Non, j'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui, oui. Où va-t-on? Eh ben, on sait pas. Ah, ça y est. Waouh. Le souffle. Oui, je sais, vous savez lire. Enfin, j'espère. Pareil, le son va très fort. Ikita. Ah. Aï, Sukuya Bertama. Tidakata Mekumobu. Tidaro, Kajiketaoui. Tidakro, Nanshi Nakilaki. Tampa Kita Terpisa. Tasindiri Dan Duniani. Donc voilà. Qu'on va contrôler entre guillemets en fait. Maintenez pour créer le souffle. D'accord. Et on fait grossir une grosse. Ah! Une grosse boule noire! Hey! Ah, elle danse en plus la boule. Donc voilà, c'est des indigènes. Et on crée. D'accord. Ça me fait penser à la planète dans le cinquième élément. J'espère vraiment que vous m'entendez parce que le son est fort. Voilà, ça c'est le souffle, d'accord. Il y a un serpent. Le serpent lumineux. D'accord. Nouveau conte de leur voyage. Les hommes tentent de rejoindre le passage, suivez-les, déplacez le souffle et contrôlez la caméra avec la souris. Appuyez sur CTRL-G pour fermer. Ah, ok. CTRL-G, CTRL-G, d'accord. Et... Ouh, d'accord, ouh, oui. Comment on fait pour tourner? Non. Ah! Ok, ils vont jusque là. Alors l'histoire, c'est que normalement je peux prendre, je crois, de la terre ou un truc comme ça. Je vais prendre ça là.
Alors, lorsque le souffle prenne un homme, appuyez sur F pour le voir de plus près. Ah oui, d'accord. Faut maintenir la touche F en fait. Cette femme peut construire des villages, apprendre à savoir jouer de la musique. D'accord, très bien. La mer a coupé le chemin, nous sommes bloqués. Aidez-nous à atteindre le passage. Et ça, contrôle G pour fermer. Ah, c'est ça que j'ai vu en fait. Le souffle est capable d'absorber et de relâcher la terre. Utilisez bouton gauche pour absorber la matière, bouton droit pour la relâcher. Créez un monde, un pont en terre pour que les hommes puissent atteindre le passage. D'accord. Abou ! Abou ! Regardez notre village. J'aime bien, ils ont des têtes un peu sympas. Hein. Avec des masques, on dirait des ananas derrière eux. Là. Bon, ils sont un peu... on dirait des Sims un peu buggés, je trouve. Mais bon, alors, je vais prendre... Ah oui, c'est ça. C'est pas encore assez. Je vais prendre donc... Ah, voilà. Ah, voyez ? Du coup, ils peuvent passer. C'est cool. Et en fait, ils vont du coup... ils vont là. Dans notre... Ah, ça y est, j'ai compris comment tourner. Ouais, quand même, hein, il était temps. Non, ça va, en fait, on peut se diriger vachement bien avec la souris, pas forcément les flèches. Des hommes... Comment ? Des hommes sont en route, appuyez sur X pour annuler votre appel. Des hommes attendent votre présence, appuyez sur espace pour franchir le passage. Oui. On va franchir le passage. Ça fait quand même flipper quand même, hein, rentrer là-dedans. J'ai l'impression d'avoir vu des yeux, moi, au fond, là. Ah bah, ils entrent quand même. Dans une espèce de caverne, on se croirait dans la Moria. Oh là là, ouais. Il y a pas mal de... Je sais pas ce que c'est, ça en dirait des œufs. On va se retrouver dans Alien bientôt avec des œufs bizarres. Au secours! Ah non, c'est bon, ils sortent. C'est juste un passage... D'accord. Ils sont quand même bien foutus, hein, pour... C'est un jeu qui date de 2011, quand même. Ah, pardon. Peut-être que j'ai crié. Le rituel, ok. C'est bois d'uni à Yang Baru, de Bawa ya Kita. Orang Zamani, de la Menubu, c'est bois à Tiang Saman. Kita Bermaï, Gérer Kijiji. Il faut créer un pont de terre pour amener les hommes au premier totem. Voici l'un des problèmes laissés par les anciens. Nous pouvons y fonder un visage. Un visage, un village. Pour rappeler un groupe d'hommes sur ce totem, appuyer sur espace à son emplacement. D'accord. Ok. Et donc du coup, on est reparti pour faire un pont en fait entre ces deux monticules ici. D'accord. Bon, je sais pas, on va prendre là. Et... Oh là, j'ai un peu merdoué. Voilà, ça c'est une grosse boule et je vais juste la lâcher au-dessus. Ok, j'ai un peu fait une dune. Ah, ça y est, ça se... Est-ce que là? Et ça, attendez, crée un pont de terre pour ramener les hommes au premier totem, on est ok. Merde, ce que j'ai pas fait comme connerie. Bah venez les gens, les enfants. Oui, alors, ah c'est ça, voici le totem du lion. Appuyez sur espace pour voir si la zone est viable afin d'installer un village. Voilà, ils ont été appelés au totem, d'accord. Hop. On va les regarder courir. Elle, c'est la première de la course, hein. Ok. Ah! Oula, lui il fait la communion vraiment avec la pierre. Et... Ok. Ah, oh, ça pousse en fait. Ouais. Oh, c'est beau! Ah, c'est très beau. Notre premier village est édifié. Nous pouvons survivre ça maintenant. Mais le passage reste fermé. Ok. Ce passage-là, d'accord. Ok.
pour ouvrir le passage, il faut que nous construisions un village sur chaque totem de l'île. Ok. Les icônes en haut à gauche représentent les différents totems à repeupler. Ok. Construisez un village sur le deuxième totem, aspirez l'eau afin de rendre la zone viable. Ok. Mais c'est hyper sympa. J'aime bien leur petit village, il est sympathique. Donc le deuxième totem, c'est celui-là, c'est ça? Oui, avec la tête, d'accord, la tête triangulaire, là. C'est celui-là, donc je dois prendre l'eau. Allez, hop. On vide l'eau. On va reprendre de l'eau. Et puis on va la mettre là. On va rendre à l'eau, Ok. Aspirer l'eau autour. Bah, je crois que c'est bon, non? Il y en a encore peut-être? Non, je crois que. Maintenant, je dois les faire amener. D'accord. J'arrive à faire des toutes petites boules. Je pense que. Alors, attendez, hop, comme ça je vais peut-être mieux voir. Ah! Ah! D'accord! En fait, je ne peux faire que là où il y a du jaune, qui est du sable. Le reste, c'est de la roche et je peux pas absorber la roche, quoi. Ok. Mais là, il y a pas mal de jaune, hein. On va en prendre. Attends, j'ai une grosse boule. Ça devrait aller. Voilà. Je crois que j'ai ramené un peu d'eau sur le... Attendez, Oh, ça pousse en plus. Ah, c'est ça que je voulais faire. Ah oui. Voilà. C'est mignon, tout plein. Les petits palmiers poussent. Oh, ça fait plaisir, ça. Et j'ai mis un peu d'eau aussi. C'était pas mon intention. Je voudrais pas qu'il y ait... C'est rigolo, hein. On prend goût. Bon, il y aura une petite mare, hein, voilà. Voilà, bon. Alors, du coup, c'est ça. Je clique là et le totem... Ok, ils vont arriver, les... Mes petits villageois. On les voit courir à travers la végétation. C'est hyper sympa, en fait, parce que du coup, moi, ça nous rapproche quand même du... De la population, quoi. Parce que là, on les voit d'un peu loin. Il y a toujours une nana en premier, hein, vous avez remarqué? Bim caribatu. Allez! D'accord. Ah, et ça refait. Ah oui, d'accord! Et boum! Ah, ils font de la musique et tout. Alors, lorsque les hommes construisent un village, ils plantent de la végétation qui s'étend sur la terre. La jauge en bas, à gauche, représente l'avancée. Mince, j'ai pas eu le temps de lire. La moitié du territoire est recouvert de palmiers. Un conte est révélé à la tribu. Continue à étendre les palmiers pour réattirer les animaux. D'accord. Ah oui, donc j'en représente l'avancée des palmiers sur le territoire. Ajoutez de la terre près des palmiers pour les propager. Des animaux apparaîtront. Et des contes de la mémoire tribale pourront se révéler. Ok, donc je dois prendre du sable. Enfin, de la terre, du sable. Je m'égourerai. Mais j'ai encore pris de l'eau. Pourquoi je prends de l'eau, moi? Donc on doit étendre, si j'ai bien... Ah bah oui. D'accord. Ah oui, est-ce que j'en ai pris jusque-là? Ben là, j'étends pas des masses, hein. Voilà. C'est pas ça qu'il vous faut, les enfants. Ah oui, il y en a là aussi. Hop. Je clique au bon endroit. Ah, maintenant que chaque totem est repeuplé, le passage est ouvert et les hommes sont prêts à le franchir. Lorsque vous désirez, vous appuyez sur espace sur le passage pour y appeler les hommes et voyager vers un nouveau territoire. D'accord.
Donc moi j'en étais avec... je rajoutais de la terre un peu pour les aider. Je vais en rajouter là. Ils seront contents, non? Il y a un truc ici, non? D'accord, je sais pas. Traverser le passage. C'est joli ça aussi. Je vais faire un passage. Oula, je fais des trous. Sauf que si je fais des trous au même endroit, ça va, pour passer, ça va être compliqué. Ça, je fais comme bêtise. Est-ce que bon, si je prends le sable et qu'ils peuvent pas, passer, ce sera pas dans le caca quoi. C'est un peu comme un aspirateur, j'aime bien en fait. On est en train de faire le ménage dans le sable. Ah, vous voyez, ça s'étend. Attendez, je vais en prendre ici du coup. Ah non, ça prend de l'eau. Non, je voulais juste prendre le sable. Voilà mon coco. Et je voulais. Là, comme ça. On va agrandir un peu ici. Mais ils mettent des guirlandes avec. C'est quoi? C'est des guirlandes? Ah, c'est super sympa en fait. T'as pas le droit de prendre là? Ah, je peux plus. D'accord, bon. Je vais encore aider à la végétation. Si, ça y est, là. J'en suis loin d'avoir tout repalmérisé, hein, quand même. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Je vous en remets un peu plus. J'essaie de combler les trous que j'ai faits. Je suis pas sûre que ça aide à quelque chose, mais... En fait, si je creuse... Si je creuse trop, il n'y a plus... ça fait de... Ouais. Bah. Hein, on va dire que... Ah, là, il y a quelque chose. Non, j'ai le droit de le prendre. Non, ça sert à rien. Ok. Et est-ce que du coup ils peuvent y aller ou pas? Ou comment ça, cela se fait passer de tout? Parce que j'aimerais bien... Mais si, je peux prendre l'eau, enfin le sable qui est ici. Ok. Une petite vague. Ça pousse. Je suis quand même loin de la végétation maximale, hein, quand même. Oh là là, je fais n'importe quoi. Bon, je suis pas sûre que ça aide. Je suis pas sûre de faire ce qu'il faut, en fait. Voilà. Bah ça pousse hein, quand même hein. Je suis pas totalement... Ah, ça a poussé là. En fait non, ça je peux... D'accord, il y en a quand même que je peux prendre. Mais c'est quoi, c'est de l'eau? Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris de l'eau, d'accord. Et là? Ah mais lui je le prends. D'accord, d'accord. Écoutez, j'essaie de le mettre là. En tout cas, ça prend plutôt pas mal. Ah ! Mince ! Le territoire est presque recouvert de palmiers. Ah, j'ai réussi quand même. Des animaux migrateurs ont trouvé l'endroit assez accueillant pour s'y arrêter. Continuez à étendre les palmiers pour découvrir de nouveaux contes et débloquer de nouveaux défis. Très bien. Ah, c'est ça leurs animaux ? On dirait des vieilles blattes, des... Ah, c'est dégueulasse. Moi, je vois ça, j'écrase.
Pourquoi? Pourquoi il est tombé le premier? Ah oui, c'est pas avec le bon bouton de souris. On n'a pas encore fini, hein. Ouais, mais... Ok. Bonjour les animaux, vous inquiétez pas, je vais pas vous emporter dans ma grosse boule. Voilà. Oups. Oups. Je vais essayer de combler là. Ah ouais, mais l'eau... Je suis en train de créer des problèmes d'eau, non? Je sais pas trop. Je suis du nawak, c'est bon, la boule est pleine. Et il faudrait que je comble ce trou ici, quoi, que ça fait une petite piscine. Moi je trouve ça pas mal, perso, sur mon île. La petite piscine sur mon île, quoi. Et je vais en mettre un peu. Je comblais les trous que j'ai fait, en fait. Il y a toujours de l'eau. Hein. C'est pas terrible. Hein. Je suis pas très bonne constructrice de deal, moi. Hein. Bon, après, c'est pas très précis non plus. Ma bouboule, je la vois pas forcément. Hein. Ça, est-ce que ça passe, là? Ouais, j'en ai encore un peu à déposer. Mais il y a encore plein de... Non. Ah mais c'est encore de l'eau que je prends. Moi je veux pas de l'eau. Mais zut. Je vais prendre ça moi. Parce que je veux combler les trous. Genre là. Ah coucou loup. J'entends les mecs qui s'éclatent. Alors, j'y suis presque, hein. Vous pouvez voir que là, la jauge, elle monte, hein, la jauge de palmier. Ah oui, ah c'est beau. Est-ce que je peux en prendre là, les enfants? Donc j'en remette un peu ici, je suis obsédée que cet endroit-là, je crois. Ah. La piscine bleu azur là, je sais pas quoi. Je fais n'importe quoi. Moi je veux juste prendre la terre, c'est pas grave, je fais des trous à certains endroits pour combler d'autres, c'est très logique. Ah! Ça y est, la totalité du territoire est recouverte de palmiers. Vous avez découvert un nouveau compte de la mémoire tribale. Appuyez sur espace. Ok, bah je vais déposer quand même ce que j'ai pris et puis c'est bon si j'en ai gagné. J'ai refait une piscine intérieure. Je fais que de la merde. Il veut pas? Non. Ah mais je suis bête, je peux vider. Ah, mais j'y pense pas. Si je voulais pas qu'il y ait de l'eau à cet endroit là, je n'ai qu'à creuser et enlever l'eau. Voyez. Ah mince, j'ai cassé les... Oh, c'est pas possible, sur moi, hein. Non. Ouais. Ok, d'accord. En fait, faut que je jauge selon où est le truc. S'il tourne, c'est ça. Il tourne autour de... Ah non, c'est bon. J'ai gagné. J'ai gagné. Ok, alors du coup, on va passer... On va aller au passage, là, que mes igouigouis vont aller. Un passage. Allez, on y va. Où sont-ils? Où sont-ils? On va les suivre. Oula! Lui m'a l'air un peu mal en point. Hein. Il m'a l'air vieux celui-là. Il a les plumes blanches. Allez. Toujours la même meuf qui court en prums, quoi. Je suis prums. Attendez. J'essaye de retourner pour voir ce qu'ils font. Ah, d'accord. Une
petite danse en rythme pour ouvrir le passage. Je peux pas voir le truc en entier parce que là, il y a la... Ah, quoi que si. Ah, oh, c'est sympa. C'est très beau. D'accord. Par contre, c'est un peu comme un aspirateur aussi, ça. T'as l'impression d'être aspiré de ailleurs. Bah, espace, oui. Pardon, j'ai pas... Allez! On peut y aller, les enfants! On passe à un autre monde, d'après ce que j'ai compris. Enfin, je sais pas trop. Regardez, il y a des yeux au fond, là. Moi, ça me fait peur. Donc, les revoilà dans la Moria. J'ai l'impression que c'est la même chose. Oui, je crois que c'est la même chose avec les yeux bizarres. Et ils sortent de terre, d'accord. On va peut-être retourner au même endroit. Hein. Le cri de la mer. Vous avez débloqué une nouvelle carte. Terjalama, kami memba wa kami. Lakini namu dunkum ya berkutan. Ge mamaji masi bergatar duniani. Il y a deux totems des anciens dans cette vallée. Nous devons tous les repeupler afin d'ouvrir le passage. Appuyez sur l'espace pour maintenant pour appeler les hommes qui vont. Ok, annoncé, contrôle. Construisez votre premier village. Ok, donc ça j'ai compris. C'est on fait ça. Déjà, je... Voilà, les petits bonshommes ils vont. Voilà. Ils vont du coup reprier un coup pour. Une karimatu. Ils doivent être 7. Pourquoi j'ai un truc qui clignote là? Je sais pas. Ah! Nous croyons cette vallée tranquille, mais le chaman a écouté les ressacs et a senti le danger d'un tsunami. Nous devons rapporter le savoir, repousser l'eau au village avant l'arrivée du danger. Ah ouais, wow. Appuyez sur espace, sur la pierre de savoir pour envoyer un homme. D'accord. Allez chercher le savoir et repousser l'eau. Ok. Ah, et c'est chronométré. Oh my goodness. Allez, on va pas perdre de temps là. C'est bon. Ici, il faut que je fasse quoi. Je vais prendre tout. Oh là. Ah oui, d'accord. Parce que là, il y a un peu une cascade qui passe là, en fait. D'accord. Ok. Ah, il faut que je construise assez pour... Oh là là. Ok, ça va être compliqué. Espace. Vite. Oh. Merde. En même temps, je peux faire ça. Je suis en train de me dire qu'effectivement, ils peuvent passer là. Je n'ai qu'à pomper l'eau. Pomper là, pomper up. You wanna pump it up. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. C'est bon, c'est bon. Tant qu'il arrive à passer. Moi, pendant ce temps-là, je pompe l'eau. Yes! Mais en fait, c'est vrai qu'il suffit de dériver, là. Il faut qu'il fasse dériver le truc. Ah, mais on y est arrivé, hein. C'est bon, le souffle du dragon. Mais il le sait, il l'a fait. J'ai pas compris.
Je vais prendre... Non, non, mais là, c'est bon. On a blindé, hein. Et je vais prendre l'eau. Zut! J'ai tout cassé! Non mais je crois que j'ai fait une dérivation là du coup. Bon je sais plus. Mais si c'est bon ça passe plus. Alors du coup mon village... C'est bon ou pas? Ah ça y est! Yes! J'ai réussi. Qu'est-ce que je dois faire? Ah non, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est un beau tsunami de 100 mètres, ça. Mais non, qu'est-ce que je dois faire? Ah ben... Ah non, d'accord. Ah ouais, c'est comme Moïse, quoi. Ah ouais. Ah la vache! Ah genre! Putain, ça serait tellement peur. Oh d'accord. Tranquille, Emile, hein! Ok! Ah oui! Mais du coup, on n'a plus rien. Attendez, moi je reconnais plus. Ah non, c'est bon. D'accord. Ah oui, la vague, elle va jusque là. Oh, c'est quoi ça? Le village est sauvé pour le moment. Profitons du répit que nous offre la mer pour repeupler le deuxième totem. Les icônes situées en haut à gauche de l'écran vous indiquent les villages que vous possédez en blanc et les totems qu'il vous reste à repeupler en gris. Donc ouais, c'est celui-là avec la tête... Bon, alors on a réussi à boucher ici, mais alors pour boucher ici, ça va être compliqué, non? Ou alors... Ah, 6 minutes! Ok, on est chronométré, tout va bien! Pourquoi la souris elle veut pas aller en haut? Je sais pas. Alors, je pense que pour le coup, je vais devoir déboucher ici en fait. Je serai obligée de ce que j'avais bouché, mais là il faut que je rebouche. Je pense que voilà. J'ai pas... C'était la terre que je voulais prendre, mais... Vous voyez ce que... Voilà, c'est ça. Comme ça, je fais la dérivation. On a un peu galéré à le faire tout à l'heure, mais c'est pas grave, je détruis tout. Je prends que de l'eau. Voilà, non, mais c'est bon, ça passe. C'est bon. Et hop. Ça veut dire aussi faire la dérivation. Attendez. Là, ça passe encore, mais je vais créer un petit bassin. Ça passe peut-être encore tout juste. Tout juste, Auguste. Faudrait... Faut que ça passe là. Ça veut dire aussi boucher ici, je pense. Non, ça continue de passer. Hein. Bon, alors je crois que je suis au max. Je suis en train de faire un barrage de la mort. Et
Est-ce que ça tient? Je suis obligée de... Je vais les appeler maintenant. Aidez-moi. Ah mais ils peuvent pas y aller! Suis-je bête? Ouais ouais t'inquiète. J'arrive, j'avais pas vu que... Ouais 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 t'inquiète, je vais faire un pompon. Ça y est, tu peux y aller. C'est bon. Ah, quand même. Regardez, c'est joli en plus. Ah, voilà, ça passe de l'autre côté. Mais oui. Non, ça repasse. Bon. Ça devrait être bon, là. Ça devrait être bon. Ouais, je pense que c'est bon, là, ça y est. Il passe! Yes! Je suis tombée sur le vieux papy, moi. Moi, je veux pas avoir le vieux papy. Mais c'est encore le papy. Voilà, une femme un peu plus robuste. 2 minutes, allez! Pour l'instant, ça tient. On est repassé l'eau de l'autre côté. Oh, punaise, et moi, j'aimerais bien vivre là, hein, avec le lingot comme ça et tout. Oh là 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 là. Alors... Ça y est. Ça va pousser. Ça va pousser. Yes. On a réussi. Repeupler chaque totem des anciens nous a ouvert un passage. Nous pouvons partir. Aspirer de la terre au bord du lac pour qu'il se vide et que le chemin jusqu'au passage soit libre. Il est où le chemin? Ah! D'accord, il est encore sur le côté de là. D'accord, ok, très bien. Très bien. Envoyer des hommes jusqu'au passage. Et donc là, il va falloir vider l'eau. Ça peut encore être pas possible, ça. Hein. On fait le jeu de l'aspirateur. Le dieu aspirateur. Encore un peu d'eau. Voilà, on va remettre ça ici. Il reste encore un petit peu. Ah punaise, c'est chronométré, j'ai pas fait gaffe. Ah mais les enfants, moi j'en ai marre d'être chronométré. Voilà, parce qu'il peut partir dans les deux sens l'eau. Et là c'est un peu calme. Donc on va créer un petit pont ici. Oh là là. Allez, hop, espace. S'il faut, je vous donne encore plus de terre. Il n'y a pas de problème, les gars. On va y arriver. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Cette fois-ci, on accueille un homme qui va être le premier à arriver au passage. Et ça tient. Nos petites constructions de fortune tiennent. Vous voyez, ici, ça tient. C'est repassé par là. Et voilà. On va pouvoir... aller au passage. Check-elle. Oui, à quelques secondes près. Hein. Oh, punaise! Qu'est-ce qui se passe? Il y a un tremblement de terre? Ouais, ça y est. Ok. Bon, bah, pour un premier épisode, moi, je vais vous laisser là-dessus. J'espère en tout cas que ce nouveau jeu vous aura plu. Et vous pourrez me dire ça en commentaire, ça me ferait très plaisir. Et on en reverra sûrement un autre de temps en temps. Histoire de continuer l'histoire. Sur ce, vous avez débloqué une nouvelle. Le premier pas. Eh bien, ce sera pour la prochaine. Ah, zut. Bon.
Je vais pas pouvoir construire le premier village. Bon, alors moi, c'est là-dessus que je vous quitte. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!